Salut à tous, c'est Mister Présent, on se retrouve pour la suite de Suikoden 2. Donc on devait aller chercher le talisman pour la petite Pilika. Donc elle sait plus tard. Et il faut partir vers l'ouest. Donc il faut savoir que Pilika, c'est la suite du jeu. Donc ça c'est obligatoire. C'est ce qu'on est en train de faire. Bon là c'est pas vraiment du spoil ce que je veux dire, mais elle on peut la voir en perso. C'est notre aubergiste en fait. Mais je sais pas si c'est maintenant ou plus tard. C'est pour ça que des fois vous me verrez faire des trucs alors que y'a rien à faire du tout quoi. Bon bah ça va plus tard. Non. Il me semble que Muse c'est ici. Ouais c'est ça. Parce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer ici. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas là. C'est une ville très importante, comme vous le voyez. Enfin bref, alors le plus grand magasin, les avez-vous, ça doit être celui-là. Bah oui. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à l'unanimité, on va sortir de la ville. Quoique, attendez. On va regarder s'il y a pas des marchands intéressants, tout ça. Hop, 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 hop. Là, il doit bien avoir des trucs intéressants quelque part, mais. À première vue, hein. Ouais, allez, on se casse. Et on va retourner au musée. Ah pff, n'importe quoi. Ah là là, on fait le nom de la ville. Toto. Ouais, je pense que ça c'est plus tard. Ouais, je crois savoir quand c'est qu'on verra. Bon alors. Là, la musique a changé comme vous le voyez. Ni pour cause. Tout est brûlé.
Je dis que les têtes changent pas, mais là c'est une exception justement. Elle, c'est un perso important, vous allez voir. Alors, il me semble. Voilà. Voilà un petit perso. Et là, on tourne directement dans notre QG, hein. Ah, bien visé. Je parle pas beaucoup, mais je suis exprès. Hein. C'est un petit salopard. Hein. Highlander. Je ne sais plus qui croire. C'est important ce qu'il dit là. Hein. Vous verrez pourquoi plus tard. Thank you.
compte faire ça vu que je vais devoir le changer après. Comment? Alors, faut faire quoi déjà? Qu'est-ce qu'il faut monter? Mais non, y'a pas de nain dans le jeu. Hein. En fait, la cabane dont je vous parlais là, enfin qu'on a vu en fait, elle sert justement à ça. Alors lui, pour être pauvre, il fait pas semblant. Hein. Voilà. Donc on va retourner à Ryubé. Ouais. Avec lui, tu peux. Wow. Ah, quand même. Avec Imaru, en fait, c'est puissant, hein. Il est devenu une arme level 5. Bon, on va remonter. Je crois pas qu'on a un vendeur d'armure quelque part. Alors, on va quitter et on va aller à Ryubé chercher Sai, vu que c'est le seul qui peut réparer les lances de feu, qui vont bien nous servir d'ailleurs. Enfin, c'est ça qui fait avec une arme level 5. Pas terrible. C'est un combat inutile quoi. J'aurais pas dû le faire en auto. Non mais il est quel niveau aussi Rikimaru? Bah comme les autres, normal plus fort mais non. Bon. Faut pas perdre notre temps, on va direct y aller. Et je voulais faire un truc aussi que j'ai oublié de faire. Voilà. Ça change pas le reste. Comme ça j'aurai plus besoin de passer les dialogues, ça ira à la bonne vitesse je pense. Voilà pourquoi je vais le remettre. En fait, c'est pas plus rapide. Hein. Et voilà, deux nouveaux compagnons.
Non. Il me saoule, lui. Vous allez voir, il y a vraiment des originaux hein, dans notre armée, après. Il y en a même qui sont limite méchants. Ouais. Putain, c'est tout. Yes. J'ai bien calculé là. Enfin, presque. Qu'est-ce que je fais? Putain, je sais. Voilà, ça va beaucoup plus vite comme ça. Je te dis, elle est vraiment cheatée cette attaque. Hein. On aurait pu utiliser les patchs limite. Alors, remède. Hein. Ouais, ça marche pas, c'est quand même. On mange quand même le chemin comme ça. Merde. Le mec ça arrive un jour. J'ai des super dégâts en fait. Quand on dirait qu'il traverse la défense. Bon, je dis, je vous montre juste les persos. Mais il y en a que j'utiliserai plus. Hein. Genre Zanza là. J'adore pas trop. Quoi. Alors, on va vous lâcher. Sag. Bon allez hop, où est le frigo? Le gars trop patient. En particulier. C'est cassé le cul à venir ici pour nous. Je peux pas dire que... qu'il soit difficile à convaincre, bien. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous quitter là, comme ça on se retrouve directement à la suite. Et j'ai pas besoin de retraverser toute la forêt et vous le montrer. Donc je vous quitte et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!